Bienvenue dans notre studio situé au cœur de la Food Valley à Rouleur. Dans la table de cuisine, nous partons à la recherche d'histoires inspirantes sur la durabilité, l'alimentation de demain, l'innovation et la logistique et son industrie auprès de plus de 40 entreprises belges. Nous nous entretiendrons avec 10 héros Wear Smart World qui façonnent la notion de durabilité et l'économie circulaire. Je m'appelle Ilse Devise et avec Frank Foll, le chef des légumes et président de l'organisation Wear Smart World, nous vous embarquons dans l'histoire de la terre à l'assiette et de l'assiette à la terre. Bienvenue dans un nouvel épisode de Table de cuisine. Ici, dans notre studio au centre de Rouleur, nous nous retrouvons aujourd'hui avec quelques entreprises durables. Et bonjour à Frank Foll et bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, je vous remercie de votre accueil. Je suis ravie d'être là. Oui. Bonjour. Bonjour Franck. Et ça va Franck? Oui, tout à fait. Oui. J'ai envie de préparer des chouettes recettes avec beaucoup de légumes. Oui, naturellement. Toujours. Et du chou rouge. On va faire un chou rouge pomme, une salade de blé. On a ici, le potiron que tu aimes si bien, poire et plein de choses. Quel est votre légume préféré? J'ai appris. À cuisiner le chou-fleur au four. J'avais horreur de ça. Ah. Le chou-fleur et les choux de Bruxelles. Au four, juste, alors là, j'ai appris à les aimer. Avec un peu d'épices dessus. Juste un peu d'huile d'olive, c'est tout. Juste ça, simple, mais parfait. Avec beaucoup de goût. Madame la ministre, pouvez-vous nous donner un aperçu de vos défis en tant que ministre, s'il vous plaît? Alors, il y en a plusieurs. Comme je suis ministre du Climat, il y a effectivement les objectifs climatiques. Mais quand même, le plus important pour moi, c'est un objectif, un enjeu structurel qui est vraiment celui d'une révolution culturelle, d'un changement de mentalité. Il faut que nous sortions de la gouvernance en silo, où chacun pense qu'il n'est responsable que de sa matière, sans prendre en compte les effets de sa politique sur d'autres éléments. Et donc, c'est la durabilité. Et donc, l'enjeu, il est vraiment là. Oui, ça, c'est vrai. Et Franck, Zakia a faim, mais oui, très faim. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Directement commencer à préparer ici. La première place, c'est une petite salade de blé avec poire. On a encore noisettes dessus, un peu de jais ici, d'amaranthe. Et voilà, on va faire ça avec un peu de vinaigre et tout ça. OK. Et ce n'est pas seulement une partie de la Belgique, mais plutôt une mission mondiale. Et à cet égard, vous contribuez à un avenir propre pour le monde. Regardons les repos. Hallo, ich bin Zakia Katabi in Brussels Politica. Ich sei bekend als federale Minister van Klimaat en Milieu en veel minder als Minister voor Duurzame Ontwikkeling. En dat vind ik jammer, omdat Duurzame Ontwikkeling is een echt hefboom voor transformatie. En effet, le développement durable, c'est quoi? C'est une approche d'abord, une approche intégrée à travers 17 objectifs de développement durable que se sont donnés 197 États et qui ont pour objectif de rendre notre planète durable à l'horizon 2030. Alors, outre des objectifs qui sont intéressants, il s'agit de mettre sur le même pied l'enjeu du climat, l'enjeu de l'égalité entre les femmes et les hommes, l'enjeu également de la lutte contre la pauvreté, l'enjeu de l'alimentation saine. Tout cela, donc les objectifs qui sont sur un même pied d'égalité, pour le dire rapidement, mais aussi qui constituent une approche intégrée, une approche qui nous montre les différentes interactions entre les réalités sociales et dès lors, par conséquent, les liens et l'intégration nécessaires dans les politiques que l'on met en place. Par exemple, en matière d'agriculture, si en effet il est important d'avoir une production pour nous alimenter sainement, on ne peut pas ne pas avoir à l'esprit en même temps la juste rémunération de nos agriculteurs ou le fait de ne pas faire de mal à notre environnement. Et donc cette approche intégrée est un levier puissant de transformation, mais aussi un levier puissant d'efficacité de nos politiques publiques. Alors, à cet égard, l'alimentation est aussi un très bon exemple, parce que l'alimentation, manger est un plaisir et doit le rester, mais ce qu'on sait moins, c'est que manger est un réel acte politique. Selon les choix que nous faisons, le choix d'aller en grande surface, d'acheter dans la grande distribution des produits issus
du business, pour le dire rapidement, agroalimentaire, ou le choix d'aller chez un producteur local et de soutenir la production locale, a des impacts différents sur la poursuite, sur l'orientation de nos économies. Et donc manger est un plaisir, mais c'est aussi d'abord un acte citoyen. Tout à fait. Franck Zakia, d'où connaissez-vous, en fait? Bien, Franck a été désigné SDG Voice, Sustainable Development Goals, en 2021. We're smart. Quel honneur, hein? On est très fiers de ça et on est très contents, naturellement, avec l'aide et avec la reconnaissance de We're Smart comme SDG Voice, parce que c'est important et on a pu faire vraiment des pas en avant cette année avec ça. Merci. Merci à vous pour tout le travail. Pensez-vous qu'en tant que pays, nous pouvons jouer un rôle de premier plan en matière de durabilité? Oui, absolument. Alors, on peut à travers nos politiques, mais ça commence d'abord par une gouvernance intégrée. On l'a vu dans le reportage, l'enjeu des objectifs de développement durable, ce sont des objectifs en tant que tels, un objectif climat, un objectif de genre, de lutte contre la pauvreté, mais surtout, c'est l'approche intégrée qui est importante. Et dans mon gouvernement, au gouvernement fédéral, nous avons adopté cette approche, puisque mes collègues ont dû indiquer à quel objectif de développement durable répondait leur politique. Et il y a quelques mois, j'ai rencontré M. Gutiérrez et je parlais de la manière dont nous travaillons sur les objectifs de développement durable en Belgique. Il était surpris. Il me dit que c'était une approche assez originale dans un pays industrialisé, mais que c'était le chemin à prendre si on voulait de la durabilité, parce que même en matière climatique, parfois... on est tous contents de l'électrification, par exemple, de notre parc automobile. Mm-hmm. Mais il faut faire attention d'un point de vue environnemental, puisqu'on sait que la planète a des ressources limitées et que pour les batteries des voitures électriques, il faut des matières premières. Or, la Terre n'est pas... à un moment donné, il faut tenir compte. C'est pas évident. Absolument. Donc, c'est vraiment l'enjeu global. L'un ou l'autre, c'est... Oui, pas facile. Et on a fait une faute aussi dans le temps qu'on disait... ceci c'est mieux pour la planète, mais on ne calculait pas tout. Absolument. Oui, voilà. Parce que, on calcule tout, et on doit le faire comme ça. Et ça, c'est vraiment nécessaire. Ouais. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ouais. Et donc, il faut vraiment avoir cette approche globale des SDGs. Oui. Zakia, avez-vous faim? Absolument. Oui, absolument. Oui. OK, ça c'est clair. On va d'abord vous servir... buvez quelque chose. OK, et c'est rouge aujourd'hui? Oui, on est en Bergerac en France. Oui. Et c'est un vin bio. C'est de nouveau le château de Jauberti avec le cuvée. Ah oui. Le Mirabel qu'on a eu déjà. C'est votre favori, mais le blanc. Oui, tout à fait. Oui, ici on est Cabernet Sauvignon Merlot et un tout petit peu de Cabernet Franc. C'est un vin puissant, avec longueur. Quelle finesse. Moi, je ne bois pas, mais je suis passionnée par la science du vin. On le sent tout à fait, mais je trouve ça... Mais moi aussi. Je trouve ça fabuleux, vraiment, l'histoire. Je le mets ici, La durabilité signifie également que nous devons réutiliser autant que possible. C'est une chose qui n'a pas échappé au groupe intro. Mijn naam is Hendrik De Luca, directeur inclusief ondernemen bij Groep Intro. Groep Intro is eigenlijk een organisatie die mensen tracht te versterken en op die manier te faciliteren naar volwaardige deelname binnen de samenleving. Binnen onze sociale economie zorgen wij voor werk voor mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. En wij doen dat in heel Vlaanderen en Brussel. Als onderneming in de sociale economie kiezen wij ervoor om een heel breed pakket van werkvloeren aan te bieden aan het doelpubliek. Dat gaat over schoonmaakactiviteiten, horeca, groenploegen, renovatieploegen. Ook het hele luik rond duurzame mobiliteit, fietspunten, fietsherstelplaatsen is daar zeer belangrijk in. Wij bieden bijvoorbeeld ook helpende handen aan op bouwwerven van grote bouwbedrijven. En dat is uiteindelijk ons finale doel. Dat is mensen versterken en hen toeleiden naar de reguliere arbeidsmarkt, zodat zij eigenlijk als voorwaardig lid daar ook hun rol kunnen vinden. Ik ben al iets langer dan 2 jaar technieker hier bij Groep Intro, bij Fietsbeheer. Wij doen de herstellen van vooral bedrijfsfietsen, de fietsen van de Fietsbib en zwerffietsen. Wij proberen zoveel mogelijk onderdelen terug te hergebruiken, zoals belletjes, sturen, dat die terug op de fietsen worden gezet die dat herstelbaar zijn. Niet herstelbare fietsen worden uiteengehaald om die onderdelen dan te kunnen gebruiken.
Hier op de werkvloer proberen wij ook elkaar eigenlijk te helpen. Wij zijn gewoon eigenlijk mekaars mentor. De ene is beter in elektriciteit, de andere is beter in lassen. En op die manier leren wij van elkaar. Wij zetten als Groep Intro ook heel veel stappen in het samenwerken met reguliere bedrijven. En we zien daarin eigenlijk twee win-win situaties. Wij kunnen een aantal activiteiten uitvoeren met onze doelgroep voor bedrijven. Wat we nu al doen, bijvoorbeeld helpen de handen op bouwwerven van grote bouwbedrijven. Maar ook in het toeleiden van nieuw personeel. De arbeidsmarktkrapte is een zeer acuut item. Ook daar kunnen wij partner in zijn voor reguliere bedrijven. Zodat wij eigenlijk onze mensen die doorstromen naar die reguliere arbeidsmarkt ook een plek daar vinden. In het kader van duurzaamheid geloven wij heel sterk in de idee om alles van circulaire economie ook te koppelen aan sociale economie. Die twee combineren, dan schrijf je echt een duurzaam verhaal. Op vlak van Zero Waste doen wij nu ook al een heel aantal inspanningen. Bijvoorbeeld binnen onze horecaprojecten, waar we zorgen om zoveel mogelijk met voedseloverschotten te werken. We willen dit in de toekomst echt nog wel gaan intensifieren, ook bij onze andere activiteiten. C'est agréable de voir comment l'écologie rapproche les gens. Ce n'est pas seulement bon pour notre planète, mais aussi pour nous en tant qu'êtres humains. Oui, c'est tout à fait vrai. Et ça me fait plaisir que vous le souligniez, parce que c'est vrai que souvent, on dit l'écologie ou la transition, c'est difficile, etc., etc. Alors que précisément, c'est l'inverse, ça rapproche les gens et c'est pour vivre mieux ensemble. Ok. Moi, je suis prête pour notre deuxième plat, mais Franck, êtes-vous prêt pour nous? Presque. Qu'est-ce qu'on va manger? Voilà, j'ai fait une sauce de choux rouges aux pommes, disons un plat tradition belge, avec des salsifis que j'ai cuits avec un peu d'eau, sel et citron, refroidi et alors poêlé ici dans la poêle maintenant à chaud. Et on finit avec des ciboulettes. Et avec un peu des graines qui sont grillées. Bouquettes. Yeah. J'adore. Et en tant que ministre du climat, êtes-vous toujours étonné des idées innovantes que les gens trouvent pour réduire leur empreinte écologique? Oui, absolument. Les gens font preuve de beaucoup d'imagination et aussi beaucoup plus de volontarisme que le monde politique. Et j'étais la semaine dernière dans une école à Molenbeek à l'invitation d'élèves. Oui. Et ils avaient pris plein d'initiatives dans leur école, notamment d'échanges, plutôt que de, on parlait tout à l'heure du recyclage, etc. Et donc d'échanger quelqu'un qui n'utilise plus un jeu, qui l'échange contre un pull. Enfin voilà, ils ont vraiment beaucoup d'imagination. Et c'était au SDG ou... Non, ils avaient travaillé sur la COP. Okay. Et alors on est allé un peu débriefer. Okay. Et c'est vrai que c'est vrai à l'échelle des gens, mais c'est vrai aussi à l'échelle des entreprises. Enfin, j'ai vu le reportage avec Gilles. Et c'est vrai que nos entreprises, je compte beaucoup sur nos entreprises et sur leur innovation pour qu'on puisse prendre le chemin de la transition. Oui. Mais maintenant, comme entreprise, tu n'as presque pas le choix. Hein. Absolument. Il faut y aller maintenant. Absolument, tout à fait. Pour ceux qui ne savent pas comment, il y a de l'aide. Absolument, on l'a vu dans les différents reportages avec Gilles notamment. Oui. On va manger peut-être. Avec plaisir. Et entre-temps, on va regarder notre reportage. Et moi, je prépare le dessert. Oui, bonne idée. Well, Soulmates is in 2020 opgericht omdat ik al jarenlang bezig was met het concept van regeneratieve landbouw. Regeneratieve landbouw wat onze bioboer betreft, Dries Dillenat, betekent eigenlijk dat hij voortdurend nadenkt hoe zijn veld bedekt kan zijn. Dus waar hij niet gaat omploegen, omdat omploegen dat levende web dat er in de aarde zit, gaat verstoren, gaat doorsnijden bijvoorbeeld. Waardoor de communicatie tussen al die micro-organismen voortdurend intact kan blijven. Waardoor hij zorgt ook dat meerjarige planten zijn. Meerjarige planten zorgen ook dat er andere micro-organismen worden aangetrokken die weer een voordeel zijn voor de eenjarige planten. Op die manier ga je eigenlijk een ecosysteem in de aarde creëren waardoor voedingsstoffen veel beter zijn, veel rijker zijn, maar ook de smaak die natuurlijk verbetert daardoor. Nu, regeneratieve landbouw hoeft niet noodzakelijk veeteelt uit te sluiten. Wat betekent dat? Dat die koeien, als zij de kans hebben, naar het veld kunnen gaan.
En dat dat veld ook afwisselend begraasd kan worden. Dat is ook een gesloten systeem vaak. In de zin dat bijvoorbeeld de plek waar de koeien hebben gegraasd, dat dat gevolgd kan worden door bijvoorbeeld een mobiele kippenstal. En dat die mobiele kippenstal vervolgens weer delen waar de koeien hebben gegraasd weer verder kunnen gaan gebruiken. Waardoor opnieuw kruiden, planten, groei kan komen en dat er ook wel eventjes rust komt op dat deel van het land. En dat is eigenlijk het regenereren van veeteelt. Eenmaal per jaar organiseren wij een groot evenement. Het is echt een samenkomst van chefs die koken met de oogst van het moment. Wij volgen het ritme van de natuur, 24 microseizoenen, om eigenlijk op die manier een heel nauw contact te hebben met wat de aarde op dat moment geeft. Wij gaan ook boeren samenbrengen, ook om hen te kunnen inspireren. Dat je niet alleen maar oogst, maar dat je op een gegeven moment ook teruggeeft. Zodat de aarde ook terug wordt gevoed en niet alleen maar de oogsten geeft aan ons. Wij gaan kunstenaars ook samenbrengen en dat kan zeer multidisciplinair zijn. En op die manier gaan we eigenlijk naar kruisbestuiving toe, dat een microbioloog bijvoorbeeld kan spreken met een chef. En een chef kan spreken met een stadsarchitect die ook nadenkt over wat is het belang van aarde in een stad. En op die manier eigenlijk elkaar inspireren om te zorgen dat het leven in de aarde vruchtbaar blijft, dat het dat leven blijft. Inspirant. Oh, chocolat. Ah, yes. Le moment préféré de moi et peut-être aussi vous. Ah, peut-être, on verra. On verra. Oh, no pressure. Qu'est-ce qui est encore à l'ordre du jour en matière de réalisation climatique? C'est qui? Il y a encore beaucoup. On est juste au début. Mais c'est vrai qu'au niveau de mon gouvernement, du gouvernement fédéral, le morceau le plus gros reste l'enjeu de la fiscalité. Ah oui? Donc il faut que notre fiscalité devienne une fiscalité durable, si je peux le dire rapidement. Ah oui. Il faut verdir notre fiscalité. Il faut qu'on arrête de soutenir financièrement des projets qui sont encore inscrits dans le carbone. Et donc ça, c'est vraiment un gros chapitre et un gros enjeu au niveau fédéral, c'est la fiscalité. Ok. Ça, c'est clair. Alors, un peu d'explication quand même, parce que vous voyez qu'il y a plusieurs éléments sur l'assiette et dans les pots. D'abord, on a des chips de potiron. Ouais. Ah. Ils sont crispy. Il y a un peu de poudre d'épinard qui est dessus, d'épinard séché, hein, dans le micro-ondes, tout simple. Et mixer un peu. Et alors, la sauce est une sauce chocolat au coco. Et on a du coco ici râpé pour mettre. Alors, le but, c'est que vous prenez un chips, vous mettez dans la sauce. Oui. Et là, alors, vous mettez un tout petit peu de. Pas trop. Oui. Voilà, dessus. Ouais. OK. Bon appétit. Merci. Merci. Un dessert en kit. Il faut attendre parce que nous sommes déjà arrivés à la fin de l'épisode. Je voudrais vous remercier d'être ici aujourd'hui et un petit cadeau. Super. Le livre Wild Cooking qu'on a fait ensemble. Magnifique, je vous remercie beaucoup. Franck, ça c'est délicieux. Oui. Vraiment, merci. Merci à vous. Et merci Franck, délicieux. Et on vous laisse au même temps que nous dégusterons le dernier plat de Franck en regardant le reportage final. Raphaël Ponce, directeur général adjoint à la communauté urbaine de Dunkerque en charge du développement économique et de l'attractivité du territoire. Le territoire dunkerquois accueille de grands groupes de l'industrie agroalimentaire, pour en citer quelques-unes, le groupe Coca-Cola, Le Sieur, Barry Calbout, mais également HSWT et d'autres entreprises qui viennent de Belgique. Alors, il existe de très nombreux avantages à venir s'installer sur le territoire dunkerquois. Le premier, c'est son implantation géographique. Il se situe autour du triangle Paris-Londres-Bruxelles et avec un accès directement à la mer qui est un avantage indéniable. Le territoire de Dunkerque dispose d'excellentes infrastructures logistiques et de transport pour permettre un développement de l'industrie agroalimentaire. Dunkerque est un bassin industrialo-portuaire
entouré d'une très large zone de production agricole qui permet à des potentiels industriels de l'agroalimentaire de pouvoir bénéficier d'une filière courte d'approvisionnement en matières premières, ce qui, dans le calcul du bilan carbone d'une entreprise, peut être un atout majeur. Le territoire dunkerquois est inscrit depuis de très nombreuses années dans une transformation nécessaire pour répondre aujourd'hui à des enjeux environnementaux forts et puis à répondre aussi à l'expression des attentes des consommateurs. À ce titre, nous développons aujourd'hui et nous accompagnons les industriels dans leur politique de décarbonation de leurs industries pour améliorer l'ensemble de leurs activités et surtout le bilan environnemental. Il y a une culture de l'économie circulaire qui date depuis de très nombreuses années sur ce territoire. Aujourd'hui, tout ce qui est produit se fait dans un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on apporte des matières, on crée des déchets, on revalorise ces déchets, tout ça pour limiter l'impact environnemental et créer et donner une nouvelle valeur à l'ensemble de la filière ou des produits qui rentrent dans une filière.